Salut à tous, c'est l'épisode 2 Njorek. On est au nord de la Norvège, on va mettre à l'eau le bateau. Il y a un gentil pêcheur qu'on vient d'aller voir qui nous a super bien accueillis. Donc on peut mettre le bateau où on veut. Surtout on peut le laisser là pendant 3 jours. Voilà, parce que ça va être l'aller-retour. 3 jours pour faire l'aller-retour entre l'endroit où on part avec le bateau et l'endroit où on arrive, parce qu'on va amener du coup la voiture avec la remorque à l'endroit d'arrivée. Donc c'est parti. Là on vient de finir d'amarrer le bateau, donc on est super content. Il y a un petit soleil qui vient d'apparaître alors que pour l'instant on n'a eu que de la grisaille. Nous on a repris la route pour aller direction Tromsø pour poser la voiture et la remorque pour le point d'arrivée du coup du bateau. Pas bézef, hein ? Pas grand monde, hein ? Pas grand monde, mais pas full. Bonjour. Eh, salut. C'est une boisson chocolatée qui vous donne de l'énergie pour toute la journée. C'est la boisson des enfants. Elle fait du bien au cœur et au moral. Et moi quand je la bois, je suis content. Moi je suis content quand je le vois boire. Vraiment, c'est un plaisir. Oh, c'est bon, on est arrivé à Tromsø. Donc là on est dans un petit café, on est au chaud. On profite des instants de chaleur. Et demain on va se diriger du coup vers l'endroit où on a laissé le bateau au port. Et on va prendre la mer pour attaquer l'expédition. C'est ça, donc c'est là, la dernière nuit dans la civilisation. Et après c'est la mort. La mort, le froid, la pluie. Mais ça va être cool. Là on se retrouve, on est dans le bus, on est en direction de Alta, ville étape avant le dernier bus vers Torp, donc le départ de l'expédition. On vient d'arriver à Alta. Et du coup, on a une double surprise. Thibaut a perdu son téléphone, qu'on vient, après maintes efforts, voilà, de récupérer. Donc on appelle mon téléphone avec le téléphone de Loïc. Il y a le mec du bus qui nous répond, qui nous dit qu'il est toujours dans la ville. Donc on a réussi à récupérer. Et on a une autre nouvelle, c'est que le bus qu'on prend, en fait, on ne peut pas le prendre. Non. Donc le
prochain bus qu'on prend, c'est à 6h du matin. Là, il est 22h30. On n'a pas d'hôtel, on n'a pas de chambre. Enfin, de toute façon, il n'y a même pas de chambre d'hôte. C'est vraiment petit ici. Ouais. Donc, on va dormir sur des bancs. Deux connards dans un abribus. Deux connards dans un abribus. Voilà. Là, c'est... Non, c'est pour ça qu'on fait de l'aventure. Hein. C'est dormir dans des petits parcs. Sur des petits trucs en bois d'acajou. On est pas bien là. On disait que c'était accueillant la Norvège, bon. J'ai connu plus accueillant quand même. Bon, ça fait maintenant 4 jours qu'on est bloqué au port de Torp. La météo est assez horrible. On a en moyenne 40 nœuds de vent, des creux entre 1 et 2 mètres. Donc on a pas mal discuté avec les pêcheurs et au moins pendant 10 jours là, il n'y a aucun départ d'envisageable. Du coup on est face à un dilemme, soit on attend dans l'espoir hypothétique potentiel d'un départ, soit on change notre point de départ. Donc après un an de préparation, ça fait un peu suer. Donc c'est un peu compliqué, mais bon, on n'a pas trop le choix, donc on est obligé de repartir récupérer la voiture, de décaler le bateau aux alentours d'Hammerfest pour pouvoir partir un peu plus bas et éviter un peu les zones vraiment exposées. Qu'on ne pourra pas passer pour le moment. Du coup, nouvelle aventure qui commence. C'est un peu énervant, un peu frustrant, mais bon. La bonne humeur est toujours là, non? Eh ouais, on va faire du stop. Hein. C'est sympa le stop aussi. Ah, donc là, on est parti pour Pékin Express maintenant. On a eu de la chance du coup, on vient de se faire récupérer par un couple d'Allemands qui sont super gentils dans le camping-car. Ouais. De retour sur la route, on a réussi du coup à attraper le premier camping-car. On the road again. On a fait une bonne cinquantaine de kilomètres, donc c'est nickel. Donc là, là il doit être 20h, 21h, donc on va chercher un emplacement pour manger. Et si jamais il y a un camping-car qui passe encore et qui s'est pas arrêté, on va lever le pouce. Hein. On lève le pouce. Donc voilà, donc n'oubliez pas vraiment de mettre des pouces bleus sur la vidéo. Parce que chaque pouce bleu que vous allez mettre, ça va être un camping-car qui va venir nous chercher. Merci les gars. C'est le matin. Je viens de se lever. Je viens de plier la tente. Et on est reparti sur la route. Et là, c'est le coup dur. Il n'y a pas de véhicule. Nous sommes à l'arrêt depuis maintenant une heure. Et il y a 5 véhicules qui ont emprunté notre destination. On commence à s'impatienter. Et après 4 heures d'attente, on s'est fait récupérer dans un espèce de minivan trop sympa avec un mec trop cool. Et du coup on peut même manger à l'arrière de son minivan parce qu'on venait de faire à manger. Mais genre du coup on est trop bien. Après quelques péripéties, on est enfin à la voiture qui est juste là. Donc ça fait plaisir. On va pouvoir remonter prendre le bateau et enfin commencer l'expédition. Several days later. Allez, clap de fin du coup pour l'épisode 2, c'était un peu long. On y est arrivé finalement, on y est arrivé. Riche en rebondissements, mais ça y est, on y est, on a posé le bateau est prêt, on est prêt aussi, on va pouvoir enfin démarrer, on est bien content. Ouais, puis l'avantage c'est que ce que vous voyez pas, c'est qu'on a rencontré quand même plein de gens, donc on a fait des interviews. C'est ça. Ça sera dans le film documentaire, là ce sera pas dans cette vidéo parce qu'on a là, on pouvait pas le filmer pour YouTube. Quoi. Là on part, on est serein, il n'y a pas des vagues de 2 mètres, il n'y a pas 40... Parce que ça fait une semaine qu'on prend 40 nœuds de vent en moyenne en rafale, donc autant vous dire qu'on ne pouvait pas partir, donc on était bien bloqué. Donc bon, là ça y est, ça s'est calmé, donc on a une bonne semaine en prévision, donc on va pouvoir vous régaler de plein de bonnes choses. Donc rendez-vous à l'épisode suivant. Ouais. N'oubliez pas de vous abonner, n'oubliez pas d'abonner, enfin d'activer la cloche pour savoir quand on va sortir la vidéo. Voilà, likez, partagez. C'est ça, parlez-en à vos amis. On se retrouve du coup certainement dans 2 semaines pour le prochain épisode. Allez, allez, ciao. Salut.